Bonjour, bienvenue dans l'agenda culturel. Le festival Les Auditives sillonne tout le Var au fil de l'eau, mettant en lumière la littérature contemporaine, l'art et les problématiques environnementales, ou l'exposition de peinture de Marc Jouffret à la Galerie Cravero, au Pradet. C'est 7e art, avec le cinéma de la Lune, qui vous révèle deux courts-métrages de Wissam Sharaf à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, à Kerkeran. En solo, Bat offre une performance intense avec son dernier album, Quadrachromie. Il partagera la scène avec Omri Swalfield pour un duo inoubliable au Centre culturel Tizo à La Seyne. C'est Slam National, ces amoureux du vers et du verbe qui vous donnent rendez-vous pour mettre en action la poésie sur scène, aux Libertés Scène Nationale à Toulon. Et envie de soul, le même soir, Kolinga vous donne rendez-vous à l'Espace des Arts au Pradet pour une soirée douce et solaire. Après une tournée des petites salles, Big Flo et Oli enchaînent les zéniths en passant par celui de Toulon. Pour la 9e édition de la Fête du Livre, retrouvez nos invités d'honneur et 170 auteurs au Forum du Casino Ayer. La Villa Magdala concrétise son ancrage artistique en exposant 5 femmes artistes. En parallèle, elle vous propose un atelier et une rencontre avec les artistes Ayer. Voyage en musique par la Saint-Nazairienne pour une balade musicale évoquant le voyage sous tous ses angles, au Théâtre Galli à Sanary. Christian-Pierre Lamarca, en concert pour le Festival de musique de Toulon, nous livre ses œuvres pour une ode à la nature au Palais Neptune à Toulon. Dans le cadre du Festival Playback, vivait le concert classique donné par l'ensemble Giocoso au Théâtre de l'Esplanade à Draguignan. C'est Roséo augmenté pour une performance dans les airs, autour des notions d'écho et de reflet par la compagnie Gratte-Ciel, au parc de la Navale à La Seyne. Vivez le concert hommage d'Aouda Faye, d'Omar Penné, au Centre culturel Tizo à La Seyne. C'est jazz avec Sound of Aymet d'Adrien Chico Quintet, au théâtre Jules Verne à Bandol. Vous avez raté votre vie, réussissez votre mort. Avec la pièce de théâtre Le Magasin des Suicides, au théâtre Le Rocher à La Garde. Rendez-vous au prochain agenda culturel.